dernier. Laisse-moi faire mon entrée, moi j'arrive en dernier. Damien. Les habits coûtent cher, y'a souvent du dame mieux. C'est Kamoff. Oh putain, je dis. Ah, allergie de merde, pollen de merde. Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui était pas tant attendue. Donc désolé pour la qualité du son. On a vraiment tourné ça à l'improviste parce qu'on a remarqué que sur la route, il y avait une poubelle en travers, en plein milieu. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est le vent qui l'a poussé jusqu'au milieu de la route ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a mise volontairement pour que quelqu'un s'arrête, sorte de sa voiture et justement se fasse voler sa caisse. Donc on est resté sur place, on a regardé ce qui s'est passé, on a attendu que les voitures viennent. Et si vous voyez cette vidéo, vous comprendrez bien évidemment que c'est pas le vent qui a poussé la poubelle. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous la kifferez comme d'habitude. C'était quelque chose vraiment d'inattendu. J'ai le téléphone qui sonne, attendez, excusez-moi. C'est Trillionaire Prono les gars. Allô? Ouais, ça va. Ça va ou quoi Trillionaire? J'ai un coup à donner là, de Portland, cette nuit, passer une jambe. D'accord. Donc il faut mettre Portland. Portland gagnant contre Indiana. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, Trillionaire m'a appelé pour me donner un pronostic et on va voir ensemble la véracité de ses propos. Je vais dans la classe NBA. Donc là, je vais sur Portland, voilà, paf. Je mets Portland à 1,55, mais on va miser 80 euros. Il n'y a pas de triche, voilà. Pari validé, 124 euros game possible. Alors je vais vous montrer la date. Donc voilà, il y a écrit le 18. Donc on est bien le 18, regardez. C'est écrit là aussi, je vous le montre. Donc il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de truc. Voilà, on m'a demandé de jouer un pronostic. Je vais le jouer et à la fin de cette vidéo, vous verrez s'il est passé ou pas. Au passage, grosse dédicace pour mon poteau Une Vie qui fait des lives Fortnite des 18h à 20h et même le week-end. Il est sur Twitch et sur YouTube, ça s'affiche juste en bas. Vous pouvez le rajouter, vous pouvez aller le checker. Il y a son code créateur aussi qui s'affiche. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à mes amis qui jouent aux jeux vidéo et si vous voulez gagner des V-Bucks, n'hésitez pas à les rajouter sur les deux réseaux. En attendant, merci d'avoir regardé cette intro et on se retrouve à la fin pour une conclusion et surtout pour le résultat de Portland. Ciao. J'étais avec Soso, on était tranquille, c'est pour ça qu'il n'y a pas bâtard, parce qu'on tourne vraiment cette vidéo à l'improviste. C'était vraiment absolument pas prévu. Mais en venant, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte d'un truc qui est assez bizarre. C'est qu'il y a une poubelle juste en plein milieu de la route. Que quelqu'un l'ait mise là exprès, ou que même plusieurs personnes l'aient mise là exprès, justement pour attendre que des gens viennent en voiture, sortent la poubelle, sortent de la voiture pour décaler la poubelle, et au final voler leur voiture. Donc là, moi je pense qu'ils vont faire ça. Après, est-ce que c'est des gamins pour s'amuser? Je sais pas. Est-ce que c'est des voleurs qui font ça pour voler des voitures? Je sais pas. Mais dans tous les cas, on n'a rien à faire, donc aujourd'hui on va rester là, et puis... En même temps, ça ferait une vidéo sur YouTube, ou pas, s'il se passe rien, je sais pas. Voilà, bon, on va attendre, tranquille. Il passe à côté, voilà, bref. Bon, ben là, on attend une voiture, on va voir ce qui se passe. Hein. Moi, j'y vais pas, hein. Je prends pas le risque de me faire niquer la voiture. Ça, c'est voilà, interdit. Interdit. Ça veut dire que là, la première voiture qui vient, on va voir ce qui se passe. Et puis les arbres, comme ils bougent, la poubelle, elle bouge, elle bouge pas. Non, avec le vent qu'il y a, elle bouge pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis les freins exprès. Franchement, j'ai peur pour la voiture qui va arriver. Voilà, je te dis honnêtement, je sais pas. Mais il y a une voiture. Et voilà, le mec il sort, je démarre la mienne, je te jure j'ai trop peur pour lui, je te promets. Non ça va, il a l'air d'avoir personne. Allez, vais. Go. Viens, on prend le mec, viens récupérer le mec, putain comment on fait. Les gars, il est là le mec, hein, gelé. Qu'est-ce qu'on fait, ça? On le prend en chasse, de toute façon, à un moment donné, il va s'arrêter, non? Ouais, on va bien finir par s'arrêter. Ok, tu vois, je t'ai dit quoi là? Tu as vu la poubelle? Je t'ai dit, c'était bizarre. Pour les gens qui regardent cette vidéo, on est dans une traverse, les gars. Et le mec, il prend des risques. Putain, il prend des risques de fou. Allez, les gars. Regarde le mec, oh, il va vite. Hein. Il a compris qu'on le chassait, frère. Il a compris. Je suis sûr. Il a compris, frère. Il essaie, quand même.
Je sais. Sors, calme lui derrière. Il est parti en cabane, il a dû chasser le mec. Nous on a la voiture, c'est bien. Il y a la clé en plus. Il y a la clé dessus. Il y a la clé, hein. Il est où le mec? Je l'ai pas eu, je me suis mal à la cheville. Je te jure. Il a compris qu'on le chassait. Je t'ai dit. Il s'est mis là, il s'est taillé, gros, en cabane. Mais regarde, il y a plein de chemins de terre et tout. Ouais, j'ai vu. Mais tu sais quoi, ferme la voiture, on ferme la vitre, on la laisse là. Je suis propriétaire, non? On la laisse là, monsieur. Tu la gardes, le sang. Tu tiens le contact, on prend la clé, on va chez le propriétaire. Je garde la voiture et on retourne voir le proprio, c'est bon? On fait ça? Ah, mais là, colle-la bien contre le mur. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils volent une voiture comme ça. Sur quoi on tombe, frangin? Le hasard? Bon. Si tout le temps tu me dis, tu viens chez moi. Mais gros, à la base, on devait aller chez toi, on devait se faire un FIFA. Là, d'un coup, j'arrive, je vois une poubelle au milieu de la route. Eh frère, c'est suspect. Tu voulais pas faire un FIFA, voilà. C'est ma faute, bientôt. On va retourner là où il y a eu le vol de la voiture pour voir s'il y a le propriétaire. Et s'il n'y a pas le propriétaire, ben on ira justement au commissariat. Hein. Wow. Et on donnera la clé au mec. Hein? Si, ils sont là, c'est eux. C'est eux, sûr. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est une caméra. C'est ce qui va vous sauver la vie, restez là. Vous l'avez vu? Oui, on était là, c'est pour ça qu'on est là. On l'a vu, on l'a filmé. On a suivi, j'ai filmé quoi? J'ai filmé quoi? On a filmé. Oh, non, non. C'est quoi? Ah. Vas-y, gros. Lâche-le. Gros, c'est interdit ça, tu peux pas. Eh, vas-y, va-t'en. Non, ta gueule, vas-y. Si on va bien, c'est quoi? Ta gueule, on va aller au commissariat. Mais tu vois, j'ai même pas trop de temps. Je connais des gens, moi, qui n'avaient pas de voiture. Si on va bien, je te fais mes macs, hein. Vous avez la voiture? C'est votre clé, ça? Vous avez essayé de voler la voiture? Je t'ai pas dit, tu n'as même pas droit à la parole. On ne pas de ta gueule, toi, tu es là, je prends la voiture. C'est la chose qui sont là, je te fais niquer, toi. Tout à l'heure, on a tout fini la scène. Bon, mort, tout ça. Allez, bébé. Allez, on se taille. Comment ça, vous taillez? Oh! Parle-moi bien, la vie de ma mère. Oh, vous savez quoi? Sa voiture, tu sais ce que c'est? C'est une cataplan. On peut te cacher jusqu'à demain, t'as filmé, on a ta gueule. Tu es con, quoi, tu peux arrêter de faire ça. On va au commissariat. On t'amène, tu viens avec nous. Non, ok, commissariat. Alors tu viens pas avec nous? Non. Eh ben, on y va tous les deux. Non. On a les images là. Non, gros, vas-y, j'ai déjà eu des soucis moi avec les stars et tout là. Comment on fait? Mais écoutez, me mettez pas dans la merde, moi je vais aller en prison et tout encore là. Putain. Ouais, gros, et tu sais pas, frère, tu vas aller. Je te recommande en plus, mais tu es con. Allez, venez, monsieur, c'est bon. Non, ciao. Si. Il veut pas venir, vas-y. Je dois faire quoi alors pour pas que vous allez au commissariat? Rien du tout, tu as fait trop tard. Trop tard. C'est trop tard. Et je fais comment alors maintenant? C'est trop tard ça. Ben là, tu rentres chez toi ou tu déménages, tu changes de pays parce qu'ils vont venir chercher à la maison. Il n'y a pas un autre moyen que le commissariat. Mais quel autre moyen? Tu m'as pris pour qui? Pour un procureur? Je suis quoi, un procureur? Fais quoi? Il est en train d'appeler du monde, regarde. Ah! Écoute-moi, viens, raccroche. Vas-y, tu sais quoi, je suis avec mon collègue là. Bon, vas-y, tu veux me dire quoi? Ben, je vais te dire que là, soit on va au commissariat. Mais non, je te l'ai dit, non. Alors je me gare, on trouve une solution avec le mec. C'est quoi la solution? Putain, ben je sais pas, j'en sais rien. Voilà, je sais pas. Ils sont pas frappés avec la voiture. Non, je pense pas. Ça me bat les couilles, ta voiture. Non, bah arrête maintenant, s'il te plaît. Demain matin, je vais aller en prison. Arrête. Je vais encore aller en prison. Monsieur, voilà. Comme il a mis ce pas en prison, je vais te décalquer la tête. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu l'as volé. Tu l'as fait du mal, tu l'as touché assez bien. Là, j'ai une idée vite fait. Je reste avec lui, je reviens, moi. Je fais un aller-retour. Faut que j'aille chercher un truc, je reviens. Pourquoi je reste avec lui? Tu es mon tuteur, toi, que je reste avec toi? C'est pour trouver un arrangement, c'est pour t'arranger à toi et tu es pas content en plus. Monsieur, restez avec lui. Ah bon, vous restez avec nous? Restez tous les deux avec lui. Ouais, c'est bon. Ah, tiens, quoi, toi, on te met dans le tunnel, gros, c'est bon. Me filme pas, toi, me filme pas, oh! Oh, me filme pas, oh! T'as joué, t'as fait péter. Qu'est-ce que tu dises? T'as trouvé ça bizarre de voir une poubelle, on a attendu 5 minutes. C'est cramé ça à Marseille pour toi. Tu crois qu'on connaît pas ou quoi? Je vais acheter un petit déguisement. Mais je vais revenir. On va le déguiser. Et on va le. Je sais pas ce qu'on va faire. Bon, les gars, je reviens! J'ai trouvé ce qu'il lui faut. Ah!
D'accord. En fait, ça c'est sur YouTube là. Mais il y aura votre visage. Moi, je me suis fait niquer par quoi? Par un mec qui fait quoi? Chut, on parle. Qui fait quoi? Qui fait quoi? On parle. Chut. Des quoi? Des quoi? Tu fais quoi? Ouais. Sur YouTube. Des vidéos sur YouTube, on s'est fait niquer par ça. Tu te rends compte? Comme petit pavot, comme petit con. Ça là sur le pavot. Ouais, c'est ça, gros. Tu sais quoi? Je te souhaite un jour, je te refais une balle. Alors, soit tu acceptes, soit tu te déguises en beatman. T'es tellement un vieux et un chibre, comme on dit à Marseille. T'es tellement un chibre. On va te déguiser en chibre. De toute façon, je te dis la vérité, j'ai hésité à prendre le déguisement parce que tu ressembles tellement à un chibre de nature que je me suis dit peut-être le déguisement il va pas servir. Vous, si on fait ça, vous allez pas au commissariat. Mais comment? Il faut qu'il paye là. Vous voulez aller au commissariat? Eh ouais, ma foi. Venez, je vous dis un truc, venez, viens avec moi. Si on va au commissariat, il a pas volé la voiture. Il a pas volé. Il était avec son collègue. C'est un complice. On l'a vu, il n'y a pas eu d'agression. Vous avez filmé, c'est une tentative de vol. Qu'est-ce qu'on a pour une tentative de vol aujourd'hui en 2019? Rien. Il va rentrer au commissariat, il va ressortir dans l'heure. Écoutez-moi, lui il croit qu'il va rentrer en prison là, parce qu'il sait qu'il a fait une connerie. Ouais. Il y a des mecs qui arrachent des vieilles, une heure après ils sont dehors. Lui il vous a même pas arraché, il a rien volé. Lui il va rentrer, il va chercher. Il va signer une déposition, il va partir. Il vient avec le monsieur, il s'engage à pas aller au commissariat. Monsieur. Pas drôle, hein. De toute façon, s'il n'y a pas la caméra, il a pas mon nom, il a rien. Voilà, nous, de toute façon... Nous, si lui va pas comme ça, nous on va pas donner les images. Allez. Attrape. Voilà, accessoire. Oh, ça, c'est le plus. Et ça, c'est quoi? Je te le fais cadeau. Parce que moi, je vais pas le récupérer, tu vas partir avec. Par contre, quand tu vas te déguiser, écoute-moi. Quand tu vas te déguiser, tu repars pas avec tes habits. Les habits, on les garde. Comme ça, je suis sûr que ça, sur la route, tu l'enlèves pas pour te réhabiller avec. Au moins, tu rentres chez toi comme ça. Tu es d'accord pour te changer? Ouais, gros, c'est ça ou la prison? Je préfère 100 fois me déguiser en bite que. On ne bouge personne, mon frère. Allez, bitman. Je fous. Alors. Bon. Viens là avec sa petite goutte et tout. Les gars, je vous présente Beatman. Voilà. Mec, maintenant on va te laisser. Regardez pour vous montrer. Les habits sont là. On a vraiment ses habits. Donc là, ça veut dire que il peut pas les enlever. Il peut pas enlever son déguisement. Parce que sinon, il va se retrouver à poil. C'est bon, on va se faire. Je te conseille de garder ça sur la tête. Parce que vaut mieux garder ça. Vaut mieux que tu gardes ça sur la tête comme ça les gens ils te reconnaissent pas. Parce que si tu enlèves ça et le masque, tout le monde te reconnaîtra. Et si tu croises des gens que tu connais, là ils vont se foutre de ta gueule. Reste comme ça. En vrai, reste comme ça. Les gens ils croiront que c'est un anniversaire de l'enterrement de garçon ou une connerie comme ça. Beatman, reviens. Ah, hey, je vais être sur internet. Ouais, c'est bien, c'est bon maintenant, je peux vous voir. Regardez, il a voulu m'apporter. Beatman, on pourra dire, là tu pourras vraiment dire que. Ouais, les gens ils pensent. Tu t'es vraiment. Beatman, tu t'es vraiment bien fait niquer. C'est vraiment, là c'est vraiment le mot quoi. Tu t'es vraiment bien fait. T'inquiète pas gros. Le karma, tu connais la route. Oui, bah justement, le karma, il est en train de s'appliquer à toi là. Voilà. Ciao, Beatman. C'est sur cette magnifique. Tu serais pas dommage. Ils vont me voir, les gens. Non. Non. Vous allez te foutre. Vous me foutez? Oui. Bon, en vrai, oui, c'est. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À mercredi prochain, 18h, pour une toute nouvelle vidéo. Celle-ci, vous voyez, j'ai même pas de micro sur moi. Elle était vraiment pas prévue. Donc, So, heureusement que tu étais avec moi. Monsieur, j'espère qu'on vous a bien rendu. C'est vraiment, c'est vraiment. Attends, mais il faut qu'on vous montre où est la voiture. Eh oui, il faut qu'on vous montre où est la voiture. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu l'apercevoir, on a pris d'énormes risques et on avait raison d'attendre justement que quelqu'un vienne pour déplacer la poubelle. Car comme on l'a dit en début de vidéo, si la poubelle était au milieu de la route, c'était justement pour que la personne se fasse voler son véhicule. Donc puisqu'on y est, on parle des résultats de Portland. Vous avez vu que le résultat est passé. Je vous mets la capture d'écran ici. Voilà, avec 80€, j'en ai gagné 122. C'est pas énorme, mais si vous suivez les pronostiqueurs de Trillionnaire, vous verrez que vous serez souvent en game. Donc vous l'avez compris, faites attention à vous. Si vous êtes en voiture et que vous voyez quelque chose en plein milieu de la route, ne sortez pas si vous êtes tout seul. N'allez pas déplacer quelque chose pour passer, car il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de voleurs qui font ça, qui font ce genre d'escroquerie pour justement voler les gens, et parfois ça peut se terminer très mal. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux que vous voyez juste en bas, sur Instagram et sur Snapchat. N'hésitez pas également, si vous voulez porter notre marque de vêtements, à aller sur le site www.futuratech.com et il s'affiche juste ici avec un petit bruit de fond et un petit zoom hein, pour le monteur, parce que si on lui dit pas, il ne le fait pas. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kamov, faites attention à vous en voiture, je le répéterai jamais assez. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien et surtout faites attention à vous. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.